Aujourd'hui, la Fondation Orange et les bénévoles Khatwa Tahrir sommes ici sur le terrain, au niveau du village Anamro, un village qu'on veut modèle de développement social et d'inclusion numérique dans notre royaume. Ce projet a démarré avec le partenariat avec la Fondation SLM, un projet qui a démarré par le recensement des besoins pour améliorer les conditions de vie des populations du village Anamro. 600 habitants quand même dans le village et qui ont connu un événement majeur qui est le tremblement de terre et qui a complètement rasé malheureusement l'école des 64 enfants de ce village. Donc aujourd'hui, nous commençons par la reconstruction de l'école pour rétablir des conditions de vie normales pour les parents. C'est aussi améliorer l'infrastructure avec du terrassement, des travaux d'électricité photovoltaïque pour éclairer les ruelles du village. C'est aussi la mise en place du réseau Orange pour désenclaver et pour surtout l'association qui travaille sur les produits de terroir et un artisanat avec un savoir-faire de jeunes dames que vous allez voir et de jeunes très très riches pour retrouver un marché dans les autres villages et aussi dans les autres villes du Maroc et donc un essor économique aussi, une ouverture économique pour les habitants du village. Alors, comme je le disais, Orange Village Anamro, c'est un modèle de développement social et d'inclusion numérique. On espère que ce modèle soit repris par d'autres associations, par d'autres fondations aussi, pour aller désenclaver d'autres villages avec l'aide encore une fois de toutes les autorités locales et publiques qui nous aident et sans qui ce travail n'aurait pas pu se faire sur le terrain, qu'on remercie encore une fois la Fondation Salem, qu'on remercie qui est notre projet, qui est notre partenaire fort de ce projet et l'ensemble des bénévoles Khatwa Tahrir qui sont en force aujourd'hui à 2000 mètres. Vous voyez une voilà, un paysage exceptionnel et des villages qui méritent d'être encore améliorés et voilà, avec des conditions de vie encore améliorées pour les populations.